Bonsoir Linda Kebab, bienvenue sur le plateau de CNews. Bonsoir. Déléguée nationale unité SGP Police. Encore une fois, lorsque l'on voit cette vidéo, est-ce qu'il vous semble que ce qui a été décidé, deux enquêtes judiciaires et pas de suspension du policier, va dans le bon sens? Si ça a pour but de rassurer la population, parce que c'est aussi une démission de la police, hein, de rassurer la population, en tout cas de ceux qui démission, la conçoivent. Oui. Voilà. Oui, on peut l'entendre, parce qu'il y a une polémique qui aurait pu ne jamais naître. Néanmoins, il y en a une aujourd'hui. Qu'il y a une vidéo qui a été tournée. Parce qu'il y a une vidéo qui a été tournée, mais après, quel est son contenu exact, à quel moment est-ce qu'elle a été tronquée? On a des éléments qui ne sont pas donnés dans la vidéo. Le souci, c'est qu'on s'est retrouvé dans un lynchage public, plutôt des réseaux sociaux. Hein. C'est vraiment une frange, une marginalité dans la population française qui conduit finalement à l'ouverture de cette enquête. J'ai envie de vous dire, c'est le quotidien des policiers, hein, d'avoir affaire à de la violence dans des secteurs qui sont très difficiles. On nous parle de reconquête républicaine, mais la reconquête républicaine ne se fait malheureusement pas avec des plumes. Et malheureusement, parfois, il faut faire aussi usage de la violence dite légitime. Ça peut heurter certains qui pensent que le travail des policiers est plus glamour que ça. Ce n'est malheureusement pas le cas. Alors, l'ouverture de l'enquête, si on veut, mais c'est... Vaut mieux l'ouverture d'une enquête que des suspensions et des sanctions, a priori, sur la pression des réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on a dénoncé dès jeudi soir. Alors, je ne peux que rejoindre le propos parce qu'il est cohérent. Alors, je n'étais pas là en début de plateau. Je suis désolée pour M. Lebar. Je n'ai pas entendu s'il a eu l'occasion d'évoquer les faits. Hein. Oui, oui, on est en direct, je vais me permettre de profiter de l'absence de censure, mais on a quand même quelqu'un qui... Il y en a rarement. En fait, j'ai le contrôle d'identité, on a quelqu'un qui empêche le contrôle routier, pardon. On a les policiers qui demandent à un conducteur d'enlever la voiture dans une zone qui est connue pour être régulièrement bouchée, et il dit « ne parle pas à ces salopes de flics ». Voilà ce qui se passe. Alors, on dit que c'est un médiateur. Moi, j'aimerais juste savoir quel téléspectateur et quelle personne autour du plateau aimerait avoir son enfant face à ce médiateur. Je ne suis pas certaine que le mot est adapté au comportement qu'il a eu. Il y a eu un outrage. Le collègue lui a dit qu'il allait l'interpeller. Il a refusé. Il a clairement opposé vivement il s'est opposé à son interpellation. Et c'est là que la vidéo commence, quand il y a le plaquage. Donc tout l'avant, on ne l'a pas. Le plaquage n'est pas arrivé par gaieté de cœur. Il est arrivé parce qu'en effet, il fallait l'interpeller impérativement. Il empêchait une opération de police. Il s'y opposait, il s'est rebellé, il faut dire les choses. Et puis on en arrive aux images. Mais le problème, c'est qu'on est aujourd'hui sur des combats idéologiques, il faut dire les choses franchement. Twitter aujourd'hui est devenu une espèce de déversoir idéologique. Je ne pense pas que ce soit représentatif de la population française et les résultats d'ailleurs de votre mini-sondage sur Twitter est en totale opposition avec des champs de sondage qui, eux, sont bien plus sérieux, notamment l'IFOP qui avait échantillonné de manière bien plus sérieuse avec 74% de confiance vis-à-vis de la police contre 9% pour les politiques. Je tiens à rappeler le différentiel. Donc c'est important. On ne peut pas nier non plus qu'il y ait effectivement ce que disait David Lebars. Non, mais une séquence qui est compliquée pour les policiers qui sont au centre de toutes les critiques. Bien sûr, c'est très compliqué. On sort de la crise des Gilets jaunes qui, malheureusement, a été malement menée. Je suis désolée pour le néologisme. Est-ce que ça a été volontaire ou pas? Ça, c'est encore un autre débat. Il y a peut-être aussi une manipulation qui s'est faite en amont. On est encore sur un autre débat stratégique. Néanmoins, je pense sincèrement, et je pense que la plupart de nos collègues le savent parce qu'ils ont affaire à la population sur la voie publique, c'est que la plupart des Français aiment leur police, d'une part. Et je pense très sincèrement que ce qu'on entend, ça reste quand même encore et toujours une frange idéologique qui laisse... S'épandre certaines idées, malheureusement, qui déteignent aussi sur certaines personnes qui se laissent avoir trop facilement par les images. Est-ce que les policiers ne vont plus dans certains endroits, encore une fois, et savent qu'ils ont affaire à des trafiquants armés jusqu'aux dents? Alors, c'est important de préciser, de bien utiliser la sémantique. Ils ne vont pas dans des endroits parce qu'ils auraient peur d'y aller, ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Deux, il n'y a pas assez d'effectifs. Trois, ils sont pris ailleurs. C'est vraiment, faut être très pragmatique. Hein. On est sur un manque de moyens, donc évidemment, on ne peut pas couvrir tout le territoire, et notamment les plus compliqués. Et aussi parce que certaines zones demandent un petit peu plus qu'une simple patrouille moyennement armée, parce qu'il va falloir encadrer, quadriller, écouter, observer. Et tout ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas les moyens. Je rejoins les propos. En effet, le souci aujourd'hui dans la lutte contre le stupéfiant, c'est que tout est acté. Il y a des méthodes qu'il faut enfin mettre en application et avoir le courage de le demander et de dire, voilà, de la même façon que quand on collecte du renseignement, c'est du travail d'observation, le stupéfiant, en dehors des moyens techniques qui sont demandés, notamment pour les fadettes ou les écoutes, il y a des techniques qu'il faudrait ne pas avoir les actées. Comme on fait pour le renseignement, on émet une information, on n'est pas obligé non plus de dire comment est-ce qu'on allait la récupérer. Et le problème, c'est qu'en France, on veut de la transparence partout. Et forcément, ça fait échouer les procédures, les affaires, parce qu'on a des avocats derrière. On a aussi des révélations de méthodologie d'enquête. De toute manière, c'est un tonneau de Danaïde, le stupéfiant en France. Ne nous voilons pas la face. C'est pas demain qu'on va éradiquer ce problème, notamment la création de cet office qui, en réalité, ne se fait pas
quand bien même il y aura la garde des Sceaux, ne se fait en réalité pas en bouclant le problème avec la justice. Il y a une véritable incompréhension. Encore aujourd'hui, on en parlait et on sait que demain, ils ne pourront pas trouver de réponse à ces questions. Et on se retrouve avec nos débatteurs pour évoquer l'insécurité qui sera l'un des points centraux de la campagne présidentielle de 2022. On a parlé il y a quelques instants de Sevran, on va parler de Nantes aussi, de l'enquête sur la mort de Steve Canisso. Il y a aussi cette marche, Linda Kebab, des policiers le 2 octobre prochain. La marche de la colère, c'est bien ça? Pour dire, ok, on est au centre de toutes les critiques, mais qui protège la police? C'est ça la question ou pas? C'est pas tant qui protège la police, c'est plutôt sensibiliser nos concitoyens en leur disant, on est constamment, et c'est vrai, en train de débattre sur l'action de police. L'action de police, elle se fait qu'à la condition qu'il y ait des moyens. On ne manifeste pas pour nous, on ne manifeste pas forcément pour nos conditions, on manifeste pour quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la sécurité. On a tendance un petit peu à penser que chaque problème ne regarde que celui qui est dans la fonction. L'éducation ne concernerait que les profs, la santé que le personnel hospitalier, et la sécurité que les policiers et les gendarmes et autres professions. Mais en fait, ça concerne chacun d'entre nous. Alors où on estime que oui, il faut une police à la hauteur dans notre pays, et se dire il faut des moyens, il faut de bonnes conditions de travail, mais aussi une véritable considération vis-à-vis des agents. Et on apporte sa pierre à l'édifice en tant que citoyen et concitoyen. On est acteur de la cité. Et donc, on a appelé donc, l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur. Tous les corps sont présents. Monsieur Lebars a également signé le communiqué de presse. Les actifs, les administratifs, les techniciens, les scientifiques. Mais également nos concitoyens de dire... On a aujourd'hui une police qui est en danger. Une police en danger, c'est une sécurité qui est mise sur l'autel, finalement, peut-être de considérations plus économiques, mais on a aussi des concitoyens aujourd'hui qui sont en danger. Donc on fait une grande marche de la colère, puisque nous ne sommes pas entendus. Nous avions menacé à plusieurs reprises, notamment les mois derniers, alors qu'on était dans des conditions sociales qui étaient très difficiles en France. Cet été, Yves Lefebvre avait appelé notamment à des états généraux pour la rentrée. Nous ne sommes toujours pas entendus, donc nous avons décidé de descendre dans la rue. Alors... Je suis désolée, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec David Lebars sur ce point-là, mais après, je peux comprendre qu'on soit sur des points de vue plus catégoriels, et notamment au niveau de ce commissaire. La mutation était faite à sa demande, donc oui, ce n'est pas... On ne considère pas ça comme une sanction, parce que quand on est muté là où on souhaitait aller depuis un certain temps, et qu'on émet ce souhait, bon, on est d'accord. Le souci, c'est qu'en effet, il y a un partage de responsabilités, et à commencer déjà par la communication de l'IGPN au début de cet été, cette précipitation du ministre, mais également du Premier ministre, à se dire « c'est bon, on a un bornage à 3h16, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête judiciaire, puisque c'est du téléphone portable, il fallait, voilà. Alors il faut bien expliquer que 3h16, la victime envoie un SMS, et c'est sur la base de ce dernier SMS que l'IGPN a émis son rapport administratif. Un rapport administratif, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de réquisition pour savoir si le téléphone continue à émettre, même sans utilisation. Ce qui a été fait ensuite avec la PJ et les juges, puisqu'il y a eu malheureusement une ouverture d'enquête. Voilà, il faut faire la part des choses et se dire, oui, en effet, il y a aussi la faute du politique qui s'est précipité dans la communication et qui ne rend service certainement pas à la police. Aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Il y a aussi la responsabilité de la municipalité parce que c'est une fête qui avait lieu depuis de nombreuses années. On savait qu'il y avait régulièrement des personnes qui tombaient à l'eau, d'où la présence des pompiers dans l'eau pour anticiper les chutes. Ça, c'est quelque chose que tout le monde savait. Il y a également la responsabilité de la préfecture, également, puisque on était sur une zone qui était sous sa responsabilité. Enfin bref, c'est un peu facile de dire c'est la faute de la police. Il y a eu éventuellement, on peut le dire, et c'est vrai, erreur de discernement sur... la charge policière, parce que c'est quelque chose qu'en plus le commissaire connaissait déjà, il l'avait déjà effectué 2 ans avant et il l'avait bien fait. Pourquoi est-ce que cette fois-ci il a mis un peu plus de force? On ne le sait pas. En tout cas, il y avait des violences urbaines en face. Il fallait peut-être exercer un repli comme il l'avait fait 2 ans avant, mais ça, c'est encore et toujours l'enquête. On peut être troublé, mais dans ces cas-là, on laisse l'enquête. Vous levez les yeux au ciel, c'est pas un enjeu majeur, la sécurité, un enjeu politique surtout? Pas qu'aujourd'hui, en fait. Vous titrez le point faible de Macron, mais c'est le point faible de tous les présidents qui l'ont précédé, et certainement malheureusement ceux qui le suivront. Enfin, je vais vous citer M. Geoffrin, vous disiez, je crois, il y a une dizaine d'années, nous polémiquons à chaque fois que l'on pense que c'est nécessaire. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que la sécurité, c'est toujours un sujet de polémique. Chacun donne son avis en fonction de ses positions, je suis désolée pour le terme, encore idéologique. Et en réalité, on oublie d'être pragmatique. On a 2 policiers sur le plateau et on n'est pas interrogé sur la question d'un point de vue technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sécurité, tout le monde s'en fout. Il faut dire les choses honnêtement et plus particulièrement l'acteur politique. Sauf qu'on va lui... On va déverser... C'est l'acteur politique. Sauf que... On va déverser aux concitoyens. Je suis très honnête. Ça n'est pas sérieux du tout. C'est pas vrai. Les crédits sont augmentés. Les policiers. Vous avez l'impression qu'ils sont augmentés en fonction de la démographie. C'est la vérité. On n'a pas réduit le nombre de policiers en France. Alors, on va laisser terminer Linda. Je vais vous dire 2 mots dans ces cas-là, M. Geoffrin. La classe politique est nulle. Voilà, ils sont tous nuls. Il faut les remplacer par quelqu'un à poigne. C'est ça que vous voulez dire? J'ai une grande indépendance politique que vous n'avez pas.
pas et qui comment me permet ça, d'avoir pas aimé, un qu'est-ce qui vous permet de dire ça d'avoir vous, un discours vous qui vous est êtes syndicaliste les syndicalistes oui. ils peuvent être critiqués comme les autres mais qu'est-ce que cette histoire de l'indépendance politique je suis indépendant je dis ce que je veux et d'ailleurs je vous dis donc on est sur des positions idéologiques on est sur des positions idéologiques ça veut dire qu'on a des idées voilà vous avez des idées sauf que nous on est sur des questions qui sont pragmatiques et techniques et quand vous me parlez d'augmentation de budget c'est en effet un discours qu'on entend ces dernières semaines on dit qu'on a augmenté le budget de la sécurité au détriment des autres ministères mais ce qui est grave c'est pas qu'on a augmenté celui de la sécurité c'est qu'on a réduit ou maintenu celui stabilité. Des autres ministères première ouais. chose deuxième chose je vais vous dire deux mots démographie inflation quand on augmente un budget on vit pas mieux ça veut juste dire que un on suit les prix et le ministère de l'Intérieur suit aussi de ses fournisseurs et deux il y a une démographie qui va en augmentation en France. Donc forcément, il faut aussi une augmentation des moyens. Ça ne veut pas dire pour autant, ça veut pas dire pour autant que la sécurité va de pair. Ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de fonctionnaires, on est d'accord. Mais l'augmenter le nombre de fonctionnaires, augmenter le nombre de moyens, mais aussi améliorer la politique et de répartition des fonctionnaires et la politique globale. On est sur alors je vous reprends l'expression de madame Galli tout à l'heure. Oui, on peut parler de globalité, de prévention, d'éducation si on veut. Il n'en demeure pas moins aujourd'hui, c'est qu'on a deux camps idéologiques. C'est il y a trop de sécurité, il y a pas assez de sécurité. C'est la faute des uns, c'est pas la faute des autres. Et en fait, nous on est là en train de regarder et on subit sur le terrain, alors qu'en réalité, on n'avance pas. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, les discours qu'il y aura lors des prochaines échéances électorales, et je le dis avec la liberté qui est la mienne, ne seront que de la démagogie, pour certains du populisme, pour d'autres de l'utopie, mais en tout cas, on n'avancera pas sur la question parce qu'on n'est pas pris au sérieux. Je tiens juste à rappeler à mes collègues aussi qui aussi regardent cette émission, que c'est pour ces raisons qu'on les appelle le 2 octobre, d'arrêter d'être des variables d'ajustement politique, qu'on se serve de nous dans les discours, que qu'un jour on aime la police, que le lendemain on la déteste, qu'on nous parle de liberté individuelle, mais pas de liberté sans la sécurité, parce que je ne pense pas que beaucoup de personnes, malheureusement, un 14 novembre 2015, se soient permis d'utiliser sa liberté à aller boire un verre dans une terrasse, parce qu'en effet, la sécurité à ce moment-là était en danger. Donc j'ai envie de dire à mes collègues aussi, venez le 2 octobre, parce qu'il est temps, enfin, de prendre la parole et de ne plus laisser les autres qui ne sont pas des policiers parler à la place des miens. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.